Bonjour, aujourd'hui dans Un jour un conseil, nous allons voir comment attribuer des licences numériques dans le gestionnaire d'accès aux ressources, qu'on appelle le GAR, des licences en grand nombre. Alors ces licences en grand nombre, ça concerne les ressources nationales comme l'EduTech ou les BRNE, ou parfois des ressources mises à disposition par des éditeurs à titre d'essai, par exemple. Donc, lorsqu'on se connecte à la console d'administration, on arrive sur une page telle que celle-ci. Nous avons l'établissement qui est inscrit et trois entrées. Une entrée par ressource, qui va être utile si on a une ressource à attribuer à beaucoup de gens. Une entrée par population, qui va servir à affecter une ressource à une classe en particulier, par exemple. Et la récupération d'exemplaires par lot, qui sert à récupérer les licences des élèves ou des collègues qui partent en cours d'année pour les réattribuer à ceux qui arrivent. Ici, je vais entrer moi par ressources, puisque j'ai une nouvelle ressource à attribuer à mes collègues de français et à leurs élèves. Alors, je vais chercher ma ressource. Je peux taper directement dans la barre de recherche si je connais le titre de la ressource ou son éditeur. Ici, il s'agit du projet Voltaire et je vois qu'il y a deux ressources à attribuer. Une qui, manifestement, en 20 exemplaires, va être à attribuer aux enseignants et une en 1000 exemplaires disponibles qui sera attribuée aux élèves. Je vais commencer par mes collègues, donc je vais cliquer ici. Effectivement, on me dit cette ressource dispose uniquement d'abonnements enseignants et groupes. Je clique sur Continuer. Et là, je vais aller chercher les enseignants concernés. Alors, je sais que ce sont mes enseignants de français, donc je vais cliquer sur le filtre. Je vais chercher français. Voilà, comme ceci. J'applique le filtre et je vois que j'ai bien mes collègues de français. Là, je fais tout sélectionner. Ça sélectionne automatiquement tous les enseignants concernés. Attribuer les exemplaires, attribuer définitivement, et voilà. C'est tout. Je peux revenir sur mon choix de ressources, et cette fois, je clique sur la ressource à attribuer aux élèves. Je vais chercher mes élèves, tout sélectionner, et j'attribue les exemplaires. Voilà, à partir de là, tous les élèves et les enseignants que j'ai sélectionnés et à qui j'ai distribué les licences ont accès à cette ressource dans leur médiacentre et vont pouvoir l'utiliser instantanément.